maintenant faut que j'en trouve tous mes compagnons. Bon, l'avantage c'est qu'ils ont gardé leur stuff. Faut juste que je les retrouve et éventuellement que je les repaye. Et s'il me reste de pognon, ça va pas le faire. Attaquer des groupes de pierres pour se refaire la main. En train d'être pillé, ouais, on va éviter. Je vais aller un peu dans les autres contrées, pour voir un peu si je peux pas recruter d'autres soldats, d'autres types de soldats. Enfin, une plus grosse armée. Ça va, il y a encore pas mal de volontaires. Non, pas la RN, merde. Le choix, la taverne. D'accord, bêche tout. Notre ami détenu au moment de Shellbeck. Ouf. Ah, la hyène, il vaut vraiment rien. Bundouk. Oh. Ah, je peux pas me permettre. Ça me coûte vraiment trop cher. Là. Faut que je garde pour payer les soldes. Oh là là. Quel débâcle. J'espère bien avoir mes petits gars. Vous recevrez 3 deniers. Youpi. Il n'y a plus qu'à faire le tour du village et remplir toutes les missions ridicules pour vous faire de l'argent. Ah, ce qu'on ferait pas, ce qu'on est désespéré. Donc en plus, faut que je leur livre tout ça. Ok, ok. Bon, c'est tout pour le moment. J'espère que ça a bien taffé. Alors là, taverne, déchavis. Oupi. Allez, de retour.
très très riche, qu'on a besoin des hommes très très vite, on peut vraiment acheter des mercenaires. Franchement très efficace, mais très cher aussi. L'avantage aussi, c'est que lorsqu'on possède par exemple un château, le fait d'engager, enfin les soldats coûtent deux fois moins cher lorsqu'ils sont en faction, donc du coup les mercenaires ça devient vraiment rentable vu leur efficacité. Non mais sérieux, j'en viens de Praven. Je suis pas allé vérifier s'il y avait le roi. Ce mec a l'air de tout sauf d'un roi. Arwa la Nacré. Ouais, bon, ça c'est encore une. Quelqu'un qui prétend un truc. Bon. Ça va. Bon. Alors. Je sais pas si l'Hérodox serait vraiment un bon choix pour une pour combattre les Nordiques. Non, je crois au contraire que c'est le pire choix possible. Compétence de déchavis d'ailleurs. Marche forcée et pistache. Parfait. Déjà s'améliorer, c'est cool. Garde de caravane. Ah, Ménestrel, tiens. Voilà. Bon. Un nouveau problème d'appri, ça servira tout à l'heure. Thank you.
Ben, j'ai hâte vraiment que j'entre enfin au service du roi, comme ça on va enfin participer à des grosses batailles. Six volontaires, c'est parfait. Circle, tiens. Où est le roi? D'accord, en route pour Raven. Il était près de Riblet le château, ils me disent. Oh, ouais, c'est loin. Bah, j'irai une autre fois. J'ai évité de m'approcher par là, c'est la frontière. Marnide. Arbalétrine, ça va. Ah, quoi tu veux, allez, un nouveau, ça peut le faire. Commerçant, youpi, on va l'envoyer au casse-pipe, youpi. À devenir le seigneur et maître côté de nos agressions. La poisse, la poisse, devenir seigneur de tout ça, c'est un peu le but. Ouais, bah, ça prend tellement de temps, ça va être tellement dur. Ça va être atroce. Je sais même pas si quelqu'un a déjà réussi. Oh, sans doute que si, sans doute que si. Je sais pas si les Kergit seraient vraiment bien contre les Nordiques. Quoique, c'est surtout mon infanterie qui a survécu quand même. On voit que mon infanterie était plus longue. Bof, ça serait toujours mieux que les Veigir. Les Veigir, c'est des archers. Oh, je pourrais prendre un peu de Sarani, tiens. Au passage, moi je vais faire ça. Alors, revenu net teinture après. Oh.